Salut gang, comment ça va? Je vous laisse le temps de vous connecter. Tranquillement, pas vite. Je vais vous faire un choix aujourd'hui. Donc, il n'y a pas personne de connecté. Je vais attendre que tu sois là et je te fais faire un choix. Pendant ce temps-là, moi, je bois un café. Salut! Salut Nicole! Salut Lorraine! Salut gang! En fait, je vous laisse un petit peu le temps de vous connecter. Je vous dis un beau bonjour, je prends mon café. Bonsoir Joanne, je vais être polie. Je dois avoir une petite voix, hein? J'ai une petite voix tranquille à soir. Ça va fatiguer, mais ça va. Ça va me faire du bien de bricoler. Salut Karine, salut Nicole, là, encore une fois. Salut Émilie, c'est rare t'es là. Salut Joanne encore une fois. Bon mais super. Écoute, je prends mon petit café mais hey, salut Caroline, il est moitié caféiné, moitié normal parce que je veux dormir mais en même temps je suis ultra fatiguée. Fait que c'est ça. Je pense que je vais vous le dire 10 fois, je suis ultra fatiguée. Non. ce soir, j'ai le goût de vous faire voter en passant il me reste 4 cases encore, donc je peux pas faire le tirage du crédit en magasin. J'ai reçu ma commande, j'avais pas commandé dans ma première commande beaucoup de choses à mettre dans mon magasin. Salut Lise, salut Suzy. Mais la prochaine qui s'en vient, il y a plus de stock, puis je vais commander plus chez le fournisseur aussi là que je commande demain. Donc c'est ça. J'ai le goût de te faire voter. Est-ce que tu veux une page dans mon mini? À soir où tu veux la couverture de mon album que j'avais fait là 6x12. Je vais l'apporter, ça va être plus simple. Dans le fond, c'est avec le kit vieillot, j'avais fait une page comme ça, mais je ferai la page couverture de mon album. Donc, soit ça, soit une page de mon mini qui est pas terminée. Salut Alexandra. Merci de voter. Dans le fond, je vais voir qu'est-ce qui ressort le plus. Puis, c'est ça. Soit la couverture de ça, ou soit une page dans mon mini que vous connaissez déjà, que j'aimerais un jour finir. Mais je pense que ça va être la couverture qui va gagner ce soir. Fait que je vous laisse voter. 3 en 3. 4. Oh boy, je suis dans la boîte. Hein? Ça va être la couverture. Bon, mais mon stock est déjà prêt. Couverture. Super. Je pense que ça va être ça. En fait, c'est sûr que là, la page j'avais faite avec mon... Tu sais, le kit que j'avais fait. Mais la couverture, je vais m'amuser à faire un petit peu plus. Là, ça, c'est certain. Pour être certaine de bien faire les choses, je vais me couper... Je vais me couper un autre bout de chipboard. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai pour être capable d'avoir une épaisseur parce que c'est pas un chipboard super épais que j'avais. Fait que ça va être la couverture. Super, super, super. Salut Lucie, salut Marjolaine, salut Amélie. C'est vrai Amélie, je voulais faire ce que tu m'as donné, mais oh, chenoute, il est dans ma chambre. Ça va être mon prochain élève. Ok Amélie, je t'oublie pas. C'est juste que j'ai oublié. À moins que mon chum, mec, ait fini son cours de Kung Fu. Ils viennent me le porter, mais ça sera peut-être pas si haut. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on va faire la couverture de cet album-là. J'avais déjà fait les trous. Donc, ça va être quand même facile de le faire. Mais là, je vais me choisir un chipboard dans mes affaires. Oh. Est-ce qu'il m'en reste, j'espère? Sinon... Je pense qu'il m'en reste plus. Ça me dit que je vais en commander. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-là, je vais la coller en deux pour que ça soit 2 épaisseurs, puis je m'en ferai une autre pour l'endo. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Maryse! Fait qu'à date, c'est la couverture qui a gagné. Donc, je vais me placer... J'essaie de voir... C'est sûr que je vais le placer comme ça, mais est-ce que... Hey, sérieux, ça se peut que je sois drôle, gagne. Ouais. Ah, oh, mais c'est égal, c'est pareil des deux côtés. Je pense que je vais placer le blanc sur le dessus. Ou pas. En tout cas, je vais trouver une façon. Salut Isabelle. Salut Lynn. Bon, super. J'ai vraiment, je trouve tellement que j'ai une petite voix d'une petite fille endormie. Ça va me réveiller mon café. Donc, comme je disais, je n'ai pas de chipboard, donc je vais coller
la page ensemble pour faire plus d'épaisseur, parce que c'est sûr que mes couvertures, souvent, je les fais en mix média. Je mettrai peut-être pas autant d'affaires de métal, sachant que c'est pas si épais. Mais bon, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Super! Salut Isabelle! Je pense que j'avais dit salut. En tout cas, si je vous dis pas salut, c'est que, ou je vous le dis deux fois, c'est que je vois votre nom deux fois. Salut Pamélie! Pamélie, un jour, elle va devenir bricoleuse, je pense. Elle voit mes lives, puis elle doit dire, bon, mais faut que j'apprenne à bricoler. Ça serait une bonne idée. Donc, j'avais dit, ouf, il colle super, hein, le tape double face, fait qu'il faut pas que je fasse la fofolle. Hein, comme si j'avais fait ça quasiment toute ma vie. Il est presque égal. C'est pas grave. Puis, je vais faire la même chose avec celui-là pour l'intérieur de l'album. Puis, comme ça, ça va être plus beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, France. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé ou vu. France, j'ai une commande spéciale. J'aimerais ça avoir des tortelles. Non, je fais des blagues. Elle va savoir que je fais des petites blagues. Pauvre petite, je l'ai tellement fait cuisiner pour moi. C'est le fun de vous voir, gang. Ben, je vous vois pas, là. C'est le fun de vous voir à mon live présente. Oh, je te dis. France, tu vas voir, peut-être que tu vas voir passer ma chatonne une fois de temps en temps. Là, à date, elle a l'air tranquille. Mais elle n'est pas tranquille longtemps. C'est une démon. Une pro, moins. Quand je colle les pages, ben pas tant, regarde. Si mettons, regarde proche, là, pas tant pro. Mais c'est pas grave, de loin, ça paraît pas. Donc, je m'étais dit que je mettais une page sur le dessus, puis après ça, on va aller faire le début de l'album, la couverture. Peut-être que je ferai une page après, par la suite, on verra. Est-ce qu'il y en a ici que... Salut Nadine! Ah oui, ça serait une bonne idée. Mais France, si tu viens à Québec, t'as pas le choix de passer par chez nous, voir ma chatterie, toi. Toi qui aimes les chats. Voyons, Seigneur, je suis une pro, mais... je déparle comme... Oh non, regardez, il colle tellement, cette espèce de tape-là, je vais tout le briser. Ah. Maudite affaire. Bon, ça se peut, je me fâche. Avez-vous hâte à demain? C'est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Bon, vous pouvez me répondre. C'est vendredi, on fait l'amour. Mais vendredi, la semaine du COVID, première est finie. C'est quand même bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, donc, désolée pour le bruit de mon chum en haut. Il faisait un cours de kung-fu, puis je pense qu'ils sont en train de terminer. Voilà. Quasiment pro, gang. Pas du tout. Pas du tout. Mettons là que dans une vie, là, je recouperais tout puis je poinçonnerais. Tu sais, dans la vie, en général, j'aurais fait ça. Mais là, c'est pas grave. La couverture va marcher pareil. Mais c'est juste que je savais pas la dernière fois en le coupant que ça allait servir à ça. Sinon, je l'aurais collé avant de le couper. C'est une meilleure idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vendredi, vilo! Ouais, on se relaxe. J'aimerais ça me relaxer, moi, demain soir. Mais savez-vous ce que je fais? Ah, je travaille. Ben oui. Je travaille encore demain. Mais puis, je travaille en fin de semaine. Mais l'autre fin de semaine après, je travaille pas. C'est quand même le fun. Je pense que je vais dormir toute la fin de semaine. Ah oui, chanceuse, Lise. Ah ouais? Ça se peut, moi je l'entends, mais tu sais, c'est comme mes oreilles qui l'entendent, puis peut-être que vous l'entendez pas, fait que c'est bien correct demain, bien correct. Donc, l'autre page, regardez comment ça va être beau. Ça fait quand même beau, je vais peut-être le finir un jour, mais là, j'ai fait la page couverture. Qu'est-ce qu'on met dans une page couverture? Salut Émilie! Mais tu étais là tantôt, pourquoi tu t'es reparti? Tu as décidé que tu voulais plus entendre ma voix, tu pars, tu reviens. Euh...
Donc, ça et ça, c'est terminé. Il me reste des languettes de papier. Vous savez bien que je vais essayer d'en utiliser. Je suis bonne là-dedans. Des petites languettes de papier. Puis le reste, c'est des papiers 12-12, mais je vais les utiliser pour faire mon album, je pense bien. Salut Joël! Donc, c'est ça. Donc, le vendredi, on travaille. C'est ça hein, qu'on avait dit? Je fais des blagues. Je fais des petites blaguettes. Bon, je réfléchis à qu'est-ce que je fais. Je pense que j'utiliserai pas bien ben de papier. Je vais vraiment m'amuser à faire de la texture. Si je suis capable. Je savais qu'elle viendrait, hein? Regardez, elle s'en vient. Vous allez la voir sur le coin. Tadam, tadam. Oh ouais, tu m'as flushé, Émilie. Salut, Gisèle. Chita, viens vous dire bonjour. Pas de Chita. Cassiopée, la belle poule, là. Bon, je suis en train de me chercher des washi tape qui ont de l'allure, qui feraient une belle texture. Et qui feraient en sorte que ma création serait belle. Je vais aussi prendre un stencil. J'en ai plein de nouveaux que j'aimerais bien. Je vais essayer de trouver un beau nouveau stencil. Ah, ben coudonc, j'en ai un deux fois, je pense. Ah oh, non. Non, je l'ai pas deux fois. Faux espoir. Ouais, je vais m'amuser avec ce stencil-là aussi. C'est quoi le kit de papier? En fait, c'est un kit de papier vieux. Il m'en reste 4 à vendre. Je peux te le montrer, mais je l'ai aussi dans une autre vidéo. Attends un petit peu. Je vais essayer de replacer mes affaires. Dans le fond, c'est un kit de papier comme ça. Il y a plein de papier. Un petit truc, là. Je me permets de te le montrer, Gisèle. Désolée pour les filles qui attendent. Ouais, vous pouvez être déconcentré par Cassiopée. Puis, il y a des embellissements à l'intérieur, là, pour faire la page. Puis, des chipboards. Et je perds mes mots, ça va être beau. Je pense que quand je termine mon live, là, je vais me laver puis je vais me coucher. Pensez-vous que je vais être capable? Je pense que oui, Mais bon, bref, la dernière fois, on avait fait cette page-là avec le kit. J'avais fait. Puis, ben là, on va s'amuser à faire la page couverture. Bon, j'ai fait peur à Cassiopée. Non, je vais prendre un autre tape. Coudon, je suis branchée, moi. Pensez-vous que je vais y arriver? Je vais prendre celle-là et celle-là. Puis, j'avais un autre tape qui traînait. Vous n'allez pas me dire que vous l'entendez pas, mon chum. Là. On l'entend, là. Il crie dans le salon. Ce tape-là, c'est du tape... voyons, je vais y arriver. C'est du tape médical qu'on trouve chez Dollarama. Les roulettes sont pas chères, sont quand même d'une bonne quantité. C'est comme du tissu, fait que moi, j'aime vraiment ça, faire de la texture avec ça. Puis ça, c'est du masking tape aussi de chez Dollarama. Fait que là, moi, je l'utilise souvent. Vous le voyez dans mes créations. Moi, je trouve que ça fait une belle texture dans le fond. Je pense que je vais redire le mot texture. Voulez-vous? Au moins, celui-là, je le déparle pas trop. Pour vrai, vous l'entendez pas? Moi, je l'entends à ta parouette. Il parle d'une session gratuite de Zoom, je pense. OK, c'est pas grave, là. Hein? Faire un résumé vite, là. Il parle de Kung Fu avec son Sifu. Y en a-t-il qui font du Kung Fu ici? Dans la salle? Qui fait du Kung Fu dans la salle? Je me trouve drôle. Non, je pense pas mettre le tape avec des trous.
je vais juste mettre du tape là. Puis, soit qu'on l'utilise vraiment en longueur comme ça, ou soit moi ce que je fais, et je le déchire, c'est la façon que j'aime, ça fait un petit, une petite texture là. Connaissez-vous le mot texture avec moi? Donc, je trouve que c'est une belle façon. Ah, du calme, mais pas ces temps-ci, pas moi. Sifu, Sifu, ça veut dire du kickboxing. Non, c'est bon, ça. Mais Sifu, c'est le maître de Kung Fu. Fait que moi, j'ai dit que c'est le maître de sa secte. Il aime pas ça. Mais c'est pas grave. Hein? Lui, il m'écoute pas. Il est avec eux autres. Fait que c'est bien correct. Je peux dire un paquet de niaiseries, mais il m'entendra pas. Mais malgré qu'il écoute souvent mes lives. la dernière fois, j'ai oublié d'enregistrer le live des cartes. Fait que ça n'a pas été mis sur sur YouTube, dans le fond, ma page YouTube. Ma chaîne YouTube. Seigneur, ça va être beau, les mots. Donc voilà, il y en a aussi qui. On pourrait utiliser du tape comme ça, les manger par mes chats. Des fois, ça l'arrive. Je l'avais utilisé, je pense, la dernière fois. Que je le prends. Il y a aussi du tape à hockey que je ne sais point si sont là-bas, si mes chats les mangent aussi. Mes chats aiment mâchouiller tout ça. Moi, j'avais voté pour la texture la fois où tu l'as demandé que ça met toujours sur ses pages. Tu sais, quand tout le monde... Attends un peu. Moi, j'avais voté pour que de la texture la fois où tu demandais ce que tu mets toujours. Salut, Audrey-Anne qui regarde jamais mes lives. Je suis pas si fou. Ben non, pas du tout. Bon, on va mettre de la pâte à texturer par-dessus ça. Bon, peut-être que j'y mets ça. Hein, sérieux. Avez-vous beaucoup de temps? Ça se peut que je m'endors. Non, non. Mais dans le sens que ça se peut que je fasse n'importe quoi. Ouais, on va t'y rajouter une bandelette de papier ici. Non, là. Là, ça serait bien. Puis ici, comme ça. Ouais. Ça va être ça. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qui t'intrigue, Gwen? Gwen, je pense que t'as oublié de vérifier ce que je te disais. Tu me diras. Tu me diras si j'ai fait une erreur. Ça m'arrive de faire des erreurs. Je suis pas parfaite. Ben, presque, là. Ben non. Ouais. Là, mon chum m'énerve. Je l'entends rigoler. Bon. Là, vous allez me dire, tu mets pas du gesso clair là-dessus. Oh, je pourrais. Ça me tente pas. Ah! Le tape, ça m'intrigue, le tape. Ah, quel tape? Le tape à trous? Ce tape-là, là, que vous voulez tout. J'ai pas le goût de le mettre, moi. On va le mettre. On va l'en mettre d'abord. Oh, qu'est-ce qu'elle peut penser que je voulais jouer avec elle? C'est de votre faute. Ah non, elle rit tout seul. Oh! En tout cas, c'est pas grave. Tiens, je l'aime. Hein? Maudit que je m'endure pas. Mettons, là, d'habitude, à la fin de l'année scolaire, là, je compte pas les jours. J'ai une patience, puis j'aime beaucoup mon travail. Mais cette année, je pense que je vais compter les jours. Ouais. Je les colle les croches, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... Pas parce que j'aurais voulu rester à la maison, là, c'est pas ça. C'est parce que je trouve ça pas super pour eux. D'être à l'école.
dans tout ça. Puis, je trouve ça plus fatigant pour moi. Mais, c'est ça. J'ai juste hâte que ça soit fini. Je le prends. Je l'ai pris dans la boutique de Donna Donny, mais Lise Doré nous disait la dernière fois, si je me trompe pas, qu'il en a dans les boutiques de rénovation. Fait qu'à voir. C'est du tape à joint, là, dans le fond, mais c'est juste qu'au lieu d'être carré, il est rond. Puis, autocollant. Fait que moi, je l'utilise souvent. Mais là, j'avais pas le goût de l'utiliser, mais bon, ça, des fois, je les garde, des fois, je les garde pas. Je l'ai déjà dit, je pense. C'est quoi ton du punchinello, mais en papier? En fait, c'est du tape à joint, mais américain. Salut, Sarah! à chaque fois, je l'utilise, tout le monde en veut, mais je sais pas ce qu'il y en a au Québec. Moi, ça fait super gros longtemps que j'ai mon rouleau de tape. Puis je me dis que quand il sera fini, je trouverai où ce qu'il y en a. Mais je pourrais quasiment essayer de vous en trouver. Comme ça, je pourrais vous en offrir dans ma boutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me souviens plus c'est quoi la marque là, de la du centre de rénovation. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Bon, donc, je vais utiliser ça, c'est de la pâte à texturer blanche. J'utilise celle de Fabrica Décoru, mais tu pourrais utiliser celle que tu veux. Voilà. Encore une fois, j'ai oublié de partir mon eau. Fait que désolée pour le bruit, je vais aller le mettre dans le lavabo. Je vous dis désolée, mais je le ferme. Bon, laisse faire. Tu l'as dit pendant que j'écrivais. Il devrait... oui, je le sais. Ça existe, genre métallique, ce genre de thème, mais pas autocollant. Oui, c'est du Punchinella. Salut, Anne-Sophie. Il y en a de moins en moins dans les boutiques. Des fois, vous allez voir du tape comme ça, de couleur, chez Dollar ou 2, Dollar ou Max, limite, là, les boutiques. Il y en a des fois qui arrivent. Bon, je vais faire sécher ça un petit peu. Finalement, là, je viens de réfléchir que j'aurais dû mettre du gesso. Hein? Mais je vais trouver une solution. Je vais aller fermer l'eau. Bon, je vous partage une nouvelle que j'ai vue aujourd'hui en arrivant à la maison. Une nouvelle extraordinaire pour moi, mais qui explique que je vais avoir encore des bébés à la maison. Je vous dis ça. Ma belle coqueur est en chaleur, ce que j'attendais. Donc, j'ai allé faire un petit tour à Gatineau, voir son petit chum. Puis, c'est ça. Ça va être vraiment sa dernière portée ce coup-ci. Mm-hmm. Donc... J'aurai des bébés Bengal, des bébés Maine Coon et des bébés Cocker. Alors, by the way, je vous dis que je suis fatiguée. Je pense que je vais te l'être encore plus dans pas long. Là, je cherche mon gesso. L'avez-vous vu? Il est là. Je vais prendre le transparent pour pas... oui, encore des bébés. Oui. Écoute, moi, dans la vie, là, les seules personnes qui font des bébés chez moi, c'est les animaux. Oh, c'est ma corde, m'a dit de même, mais moi, ça marche pas. Mais peut-être que... ça va marcher un jour, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Rendu là, ben je vous dirais, wouh! Il n'y a pas juste mes chats et mes chiens qui font des bébés. Hein?
Mon pinceau, il était quand même dur, fait que je suis en train de le ramollir. Je le fais pas à la spatule parce que je veux juste faire les... comme les bouts de chipboard qui sont là. Pour... je vais le faire au transparent, puis après ça, je vais le faire au blanc, je pense. J'aurais dû le faire avant parce que ça va faire plus beau. C'est juste que sur le chipboard, les tapes, ça ne me dérange pas du tout, sont blancs. Mais sur le chipboard, ça va être moins beau. Green même, puis ça va boire beaucoup le produit. Là, je suis contente qu'ils ont décidé d'ouvrir les régions parce que moi, ma femelle, je l'ai fait couper à Gatineau. Fait que là, je me disais, c'est une bloc avec le chien, mais que je m'en rends compte juste à Montréal. Voyagement pour rien, hein? Présentement, ils ont ouvert les régions. Donc, j'ai c'était ça pour le 23 mai. Ça va être parfait. Salut, Léonard. Ouais, mais je me souhaite aussi des bébés, mais en même temps, tu sais, dans la vie, là, il n'arrive à rien pour rien. Fait que si un jour je ne suis jamais capable d'en avoir, ben c'est que la vie veut pas que j'en aie. Puis je vis bien avec ça. Tu sais, c'est ça. Soyez pas triste pour moi. C'est correct. Je vis. Tu sais, il y a des étapes de deuil dans la vie. Puis mon deuil il est quand même bien fait. Là, ça va. Puis c'est ça. Je l'imagine ma vie sans enfant. Je l'imagine avec. Fait que je pense que c'est la bonne façon de voir la vie dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez vous autres? Je suis pas chez nous tout de suite, juste à la fin du mois. Je comprends pas. Léonard, bonjour. Salut Corinne, salut Mélissa. Donc, c'est plus une façon, moi, ma philosophie de vie, c'est de faire ça de cette façon-là. Il y en a un petit, puis c'est correct, là, je juge personne. Il y en a pour qui c'est super important d'avoir des enfants. C'est pas que j'en veux pas, mais c'est juste que je mets mon énergie ailleurs sur quelque chose que je peux plus contrôler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, mais mettons que mon historique de temps est long, Amélie, mais on pourra s'en jaser. J'ai mis mon gesso là, vous rappelez-vous? Voulez-vous me le dire? Il est où dans ma salle? La dernière fois que j'ai utilisé le gesso, c'était... oh, je le sais, attendez, je vais aller chercher. Je peux pas le trouver. Ah, merci Fred. En fait, il était dans mon kit qui traînait pas ramassé de mes cartes de cette semaine. Ah ah! OK, des confinements pendant la fin du mois de mai, mais tu veux dire les barrières? J'espère que non. En fait, oui, j'aide assez les enfants des autres. Puis tu sais, dans ma vie, là, il y a toujours un projet, il y a toujours quelque chose. Ma vie est belle. Fait que tu sais, c'est correct de même. C'est bien correct de même. Bon, c'était mon gesso blanc. Mais Gwen, tu me diras si c'est juste à la fin du mois, parce qu'en fait, la semaine prochaine, c'est pas la fin du mois. Et j'ai pas le goût de me retrouver pognée à Gatineau pour virer que le chien. Oh. Mais bien, j'aimerais réussir. Sinon, j'ai un mâle ici à Québec, mais je le trouve moins beau. Ouais. Parce qu'en fait, mon chien est noir et blanc. Puis, le mâle à Québec, il est noir et blanc. Donc, j'aimerais ça. L'autre, il est tricolore. Il est vraiment plus beau. Ben, moi, je le trouve plus beau. Puis, je le sais que dans les accouplements, quand c'est... la même couleur, des fois, ça te donne... c'est sûr que c'est avec la génétique, là, mais des fois, ça te donne pas tes couleurs que tu veux. Tandis qu'en prenant l'autre, j'aurais plus de choix de couleurs comme la dernière fois. Donc, ça serait vraiment trippant. Ouais, chez nous, sur la Côte-Nord, pas avant le 1er juin que l'on peut venir sur la Côte-Nord. Mais Gatineau, c'est pas la Côte-Nord. Y en a-tu proche de Gatineau qui savent si... moi, on m'a dit que c'était correct, là. Les jeunes Gatineau, mais... je pense que je vais dire le mot Gatineau juste pour le dire.
Gatineau. Donc, c'est ça. Fait que j'aimerais mieux monter à Gatineau, mais on dit-tu monter ou on dit descendre? Hey, finalement, là, pas compliqué, mais bien compliqué, moi, ce soir. On dit-tu monter? On dit-tu descendre? On va-tu à droite? On va-tu à gauche? Donc, voilà. J'ai mis un petit peu de gesso blanc, comme ça, ça va être plus uniforme. C'est pas grave, c'est pas parfait. Les bébés chiens, ça te fait des portées de combien? Non, chez vous, ça semble OK, même à Gatineau. OK, cool. En fait, les portées, la dernière fois, elle a eu 8 bébés, dont un qui est mort-né. C'était une petite femelle, mais normalement, ça dépend tout le temps des chiens. Des chats, d'après moi, Moune, ma bengale, a de l'air en avoir un maximum deux. Elle est vraiment pas grosse. Chitali, elle semble en avoir un peu plus. Mais d'habitude, les chats, c'est 3-4. Puis les Maine Coon, ça peut arriver jusqu'à 10. Parce que plus un chien est gros, plus il y a des portées. Donc, tu sais, des grands chiens, ils vont en avoir 10-12 des fois. Donc, les Maine Coon, c'est la même chose. C'est des races plus grosses. Donc, c'est ça. Tu passes par l'Ontario? Non, je crois pas. Salut, France! Je vais passer par Montréal, Isabelle. Puis en fait, c'est ça. Faut que je monte à Gatineau. Là, c'est faut que je vérifie. Parce qu'en fait, il peut pas la prendre juste une fois puis je repars. Fait que là, soit que je dors dans ma voiture parce qu'il n'y a aucune hôtel d'ouverte. c'est poche, hein? Ou soit que je trouve un homme charitable de Gatineau, mais en même temps, avec le COVID, on n'a pas le droit d'aller chez les gens. Fait que c'est un petit peu un problème. Ou soit que je monte dans le soir, je la coupe vendredi soir tard, je dors dans mon char. Je la réaccoupe samedi dans la journée, puis samedi en soirée. Parce qu'en fait, là, je calcule le temps, mais c'est entre la 11e et la 13e journée qui sont fertiles, comme on dit. Comme on dit. Par la 17, fais pas de halte à Montréal. C'est pas, non, c'est clair. C'est clair que je veux pas débarquer à Montréal. COVID est pogné. Mais c'est ça. Fait que je sais pas s'ils vont bloquer ça, mais si mettons ils bloquent ça, ben je vais le faire accoupler à Beauport, ben à Charlebourg. Fait que comme ça, ça va être une bonne façon de réussir. Bon, j'ai le goût de rajouter la texture, hein, vous me connaissez. Je vais te rajouter un petit peu de lait. Y en a-tu qui ont ce vieux truc-là? C'est des laits en fond. Comment ça s'appelle? Voyons. En liège. Je vais y arriver. Tu prendras une... hey, je vis à une heure de Gatineau. Pour vrai? Oh my God! À moi que je fasse ça? Écoute, je pourrais prendre une douche au Lysol, mais tu sais, en même temps, je travaille dans le domaine de la santé, fait que je veux pas mettre la santé des gens en péril, là. Puis peut-être que d'ici... 10 jours, ben ça va être correct, on va pouvoir aller chez des gens. Je pense pas. Mais bon. On regardera ça. Isabelle, ça peut être ça aussi, là. Mais c'est parce que je débarque avec un chien. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, le chien apporte des microbes, hein. Je peux pas laisser le chien dans le char et dire, moi, je rentre en dedans. En tout cas, on regardera ça, Isabelle. Tu peux m'en parler en privé, si jamais. J'ai comme pas le choix de monter, mais il faut que je trouve une solution. Ouais, je m'amuse, hein? Je mets des détails. Les lettres veulent absolument rien dire. Moi, j'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval, à Québec. Près de chez ta nièce, je pense, Lise. Bon, il a dit merci à son sifou, que c'était super. Fait que d'après moi, on a fini. Puis même le chien répond à son maître comme foutu. C'est-tu pas plaisant, hein? Wow! 5, voilà! Quelques feuillages. Non, pas quelques feuillages. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Est-ce que j'y rajoute... Il y en avait à l'intérieur. Non. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais rajouter un peu là-dessus. Ah. Ça, avec... Je vais aller me chercher un petit tag le fun.
On commence. Ah, oh, ouais! Fait que. OK! Mais Maine Coon, il y en a une que ça fait, d'après moi, 2 semaines qu'elle est enceinte et l'autre une semaine. Fait que c'est 65 jours de gestation. Quand il naît, c'est 16 jours avant de partir. 16 semaines, pas 16 jours. Donc, c'est quand même long. Quand même long. Je vais chercher un tag, je suis pas loin. Ouais, j'avais le goût de rajouter des tags là-dessus. Voilà, je suis à 4 minutes d'Alfred. Ah, oh, c'est dans mes cute. Salut, Francine. 45 minutes. 4 minutes ou 45 minutes? Bon, mais finalement, je vais tout aller vous voir dans un parking pendant que je vais faire accoupler mon chien, mon chat, mon chien. Ça serait magnifique, hein? Ça serait malade. En tout cas, moi, je serais contente d'aller vous voir à 2 mètres, là. Mais, mais tu sais, sinon, je dormirais dans mon auto, là, ça se fait, là. Ça se fait. J'avais des tags intéressants. Fait que je pense que je vais m'amuser à mettre des trucs comme ça. Ouais, lui, il est trop gros. Fouillez-moi, c'est pas. Je sais pas ça vient de où ces tags-là. Là, j'avais commencé ça. Commander ça sur AliExpress, ça fait vraiment longtemps. Aussi, vous m'avez demandé des trucs de métal. J'ai pas eu le temps de regarder, mais ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait, je pense, dans ma boutique, parce qu'il y en a pas beaucoup. J'ai vu que Art du Scrapbooking venait d'en mettre une coupe. Je me souviens plus du nom de la compagnie. C'est quand même intéressant. C'est ça. Fait que je vais regarder. Faudrait que je regarde ça dans mes temps libres. Mais je vais en profiter parce que je savais depuis de n'avoir. Parce que quand les bébés vont arriver, d'après moi, fin. Ouais, finalement. D'après moi, peut-être même la fin de semaine que je monte à Gatineau, ma poulette, elle va être sur le bord d'accoucher. C'est plus fin mai, début juin. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas, je parle de ma poulette, c'est Moon, ma première accouchée. Après ça, ça va être. Ça va y aller rondement, mettons. Fait que je vais être dans le jus. Mais à date, je suis dans le jus puis je continue de faire des lives. Fait que. Stressez pas avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai peur qu'il soit parti avec un des deux chiens puis ça commence à japper. Si c'est ça, je m'excuse d'avance. Mais je pense pas. Je pense qu'il va mettre mes pneus dans le coffre. Avez-vous changé vos pneus d'hiver, vous autres, contre vos pneus d'été? C'est déjà fait dans votre coin? Je suis un petit peu en retard. Je le sais. Je le sais. Bon. Fait que là, finalement, on fait-tu du camping, Isabelle pis Lise, fin de semaine que je monte à Gatineau? Il existe-tu des campings pour chiens avec pas de tente? Attendez, je vais aller chicaner mon chat. Qu'est-ce que tu fais? Elle liche. Avez-vous des chats qui lichent le papier et le plastique, vous autres? Elle liche ça, elle, la bonienne. Oui, mon chum l'a fait. Ah, super, ça. Là, je me rappelais plus ce que je vous avais demandé. Fait que je suis un peu en retard, hein? Comme toujours. Comme toujours, mademoiselle Cindy est en retard. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de moi. J'ai même pas fait mes rapports d'impôts encore. Hein? Fait que. Ça fait longtemps, mais je suis dans le domaine essentiel. Ouais. Mais même dans le domaine essentiel, moi aussi. Oh, je te dis. Hein? En fait, nous. À Sainte-Brigitte, il y avait de la neige encore la semaine passée. Fait que j'étais pas stressée de pas l'avoir fait, mettons. Là, je fais de la triche. Connaissez-vous ma triche au fusil à colle chaude? Je suis en train de coller. J'explique pas ce que je fais, hein? Les pneus, oui, mon mari l'a fait. Fait que Nadine aussi, tu l'as pas fait. Nadine, on n'a pas le temps. On travaille, nous.
Moi, en plus, à l'école, là, ces temps-ci, je fais le trottoir. bon, mes deux, super beaux, méga beaux et complets. Bon, super, merci, Gwen. Vous savez que je suis mêlée, hein. Fait que là, j'avais envoyé une commande à Gwen, mais j'avais peur d'y avoir envoyé pas le bon paquet. D'y avoir envoyé un paquet déjà utilisé. Donc, c'est beau, championnat, comme on dit. Ça aurait été magnifique. Mon chat lige vraiment allègrement le plastique qui traîne là-bas. L'entendez-vous? On n'a pas le temps, nous autres. Oh. Je pense qu'on va en rire dans plusieurs années, mais présentement... Hein, j'ai bien beau vendre des produits pour la face. Je pense qu'il n'y a rien à l'épreuve de ma fatigue faciale. C'est ça que j'allais dire en fin de semaine. Il y avait de la neige, j'ai pas le temps non plus. Je travaille à temps plein. À temps plein? Attends un peu. Émilie, elle travaille à temps plein. En tout cas, je sais pas c'est quoi temps plein, mais moi, je travaille à temps plein. Moi, je travaille à plus que temps plein. Bon, OK. Ça, c'est... Arrête de dire des niaiseries, c'est une zone. Bon, je prends-tu des Lindy? Ou je prends des... Je prends lesquels de mes couleurs pour faire ça? J'ai le goût de prendre quelle couleur? Salut Stéphanie! Je suis vraiment en amour avec ces papiers, les filles. Les Winter Melody et le sentiment, ils sont trop beaux. Ah oui! Et puis en plus, ils sont fous l'épée, je vous le dis. Mais je n'ai plus, là. Je n'ai plus en vente. Bon, j'avais mis quoi? J'ai le goût de mettre du petit or avec du petit brun. J'ai comme pas le choix, hein? Je peux pas mettre du gros turquoise là-dedans. Je pense que celle-là ferait l'affaire. Puis... Ouais, il est peut-être trop orangé. Je suis en train de chercher là, dans mes gouttelettes lesquelles je prendrais. Bon. Ah, c'est super ça. Bon, moi j'aimerais ça que quelqu'un vienne chercher mes pneus. Bon. Hey, by the way, là, j'ai eu un mauvais commentaire sur ma chaîne YouTube. Il y a une anglophone qui était pas contente de voir mon concours à la place de ma création au début. Ça m'a assez fait rire en me disant, écoute, la grande paye sur avance, puis ça va bien aller. Mais bon, hein. Des fois, ils aiment ça chialer les gens. Hein? Manque des lettres. Oui, c'est clair hein, qu'on manque d'oxygène. T'as-tu la visière, toi, Émilie? Je pourrais vous partager une belle photo là, de moi avec une visière au travail. C'est magnifique. Je capote. Tellement heureuse de mettre ça avec un masque. Puis fucker ma vie. Ouais. Mettons que j'ai juste hâte que mes collègues me disent Cindy, veux-tu aller dehors? Oh my god, je pique une course puis je vais. Je vais y aller avec le brun en premier, en gouttelette. Je vous dis de pas faire ça puis je le fais. Hein. Taper le pot. Lui, je l'avais-tu déjà utilisé? Je pense que oui. Ils peuvent être utilisés pour faire des splits de même. C'est vraiment trippant. Mais je vais les utiliser pour faire des gouttelettes. Aviez-vous déjà pris des Dabbers pour faire ça? C'est malade. Quelle compagnie faisait des Dabbers aussi que... Ah, c'est Distress Stain! Avez-vous ça dans vos affaires? Hey, je faisais ça tout le temps, moi. Des espèces de gouttelettes ou de tapons comme ça, là, comme je viens de faire, là. Hein? Me lâche-le, c'est avec le brun. Je vais en avoir partout avant la fin. Voilà, ça m'a fait du bien. Je pense aux pauvres gens cet été en plein calcul, ça va être infernal et ça va être l'enfer. C'est mardi qu'on a. Moi j'ai commencé puis ils ont mis les visières obligatoires à mon boulot. Ben pas à l'école là, au foyer. Puis là, j'ai regardé mon collègue, je dis bon, c'est ce soir que je recommence à faire un enfant.
En voulant dire que, hein, parce que si je suis enceinte, je suis retirée. Fait que je me dis, bon maman. Mais non, je fais des blagues, là. Sérieux, on a vraiment beaucoup de difficultés avec tout ça et on devrait mettre une visière, ce que le gouvernement a envoyé, mais on s'est payé des lunettes. Oh my God, ça oui. Oui, bonne idée. Ouais, effectivement, la visière, mais nous, on va avoir des lunettes aussi, en tout cas. Je t'arrête d'avoir une garde-robe complète COVID. Oui, les distress things, là. Oui. Lindy, je sais pas s'ils en font encore. C'est vraiment des vieux trucs. Mais tu sais, si je regarde, il doit en avoir sur Internet des dabbers, là. Puis au pire, tu rachètes une bouteille, là. Mettons, si j'essaye, là, au lieu de sécher ça, mettons, ça, c'est une bouteille qui se vend chez le fournisseur. Tu switches le dabber, puis ça marche, là. Fait que n'importe quelle bouteille, ça peut fonctionner. Fait qu'on peut acheter des dabbers sur les Internets. Ça va fonctionner aussi. Je vais juste essuyer le truc. Laisser sécher. Et je vous le dis, mon chat, là, elle liche tout plastique traînant. Je sais pas ce qu'elle a. Là. Elle a une envie. C'est Stella. Stella, ma tanante. Ouais. Fait que voilà. Fait que oui, des lunettes, j'ai hâte que ça arrive, moi aussi, de mon côté. J'ai bien hâte. Voyez-vous, les Lindy, là, sont vraiment brillants quand ils sèchent. Ils sont vraiment très belles. Moi, je travaille souvent avec les Starbucks. Bon, je vais dire ça, puis je vais avoir le goût d'un café. Mais il y en a qui travaillent avec les flats. C'est juste qu'ils sont loin. Ils sont plus loin de mes trucs. Mais les flats aussi, ils font bien. Ils font une belle couleur, pas brillante. Ça se peut que vous voyez Stella. Celle-là s'en vient. Comme je disais la dernière fois, j'aime bien faire des sprays, mais pas trop proche. Parce que j'aime pas le petit... les petites gouttelettes qui revolent. J'aime bien l'effet diffus. Regardez comme ça, un rond de même, là. J'aime pas ça, moi. Fait que c'est pour ça que j'utilise très rarement mes sprays avec des stencils, parce que je trouve que ça paraît, qu'on le voit. Mais ça, c'est moi, là. Hein, je vous le dis. Tout ça, je vous juge pas si vous le faisiez, là. C'est juste que moi, ma façon à moi, j'aime moins ça. Ben, ça avance, hein? Ça fait un job. Ils sont tellement de fun, ces sprays-là. Ça fait changement de faire une couverture sans gros étage. Ouais, je vais y arriver avec mes mots. Ça va fitter avec l'intérieur. Y en a-tu qui ont des questions? Y en a-tu qui... Ils disent, voyons, elle est bizarre, la soirée, elle fait pas comme d'hab. Il y a des éclaboussures. Eh bien, merci, Gwen. Là, prochain crop, le citron, là, ça s'en vient. Hey, qui a fait son défi 2? Moi, ça va faire comme la semaine passée. Je vais faire ça sur le fly. Hein, je suis bonne là-dedans, dans le sur le fly. Je m'amuse vraiment avec la couleur. Pas encore. Peux-tu montrer les sprays? Ben oui. Le premier, c'était Bean Cooper. Je peux y montrer, mais sans dire le... Voyez-vous, c'est trop proche. Le premier, ça, c'est le Dabber. Le deuxième, c'était Bayou Budgie Gold.
Celui que je prends présentement, c'est Steampunk Sepia. OK, adorable. Salut Brigitte. C'est là que tu performes. Moi, je l'ai fait ce matin. Oui, quand c'est dernière minute, oui, j'étais assez bonne là-dedans. Pourquoi? Elle sait pas pourtant. Parce que dans vie, là, je suis pas. Excusez pour le chat en arrière. Je suis pas assez dernière minute, là. Je sais un peu où je m'en vais puis tout ça. Mais pour l'heure, là, c'est souvent dernière minute, mon affaire. Puis c'est là que, tu sais, regardez, j'avais absolument rien décidé. Puis, boum! Je fais ça, puis je m'amuse. Mais c'est sûr que le défi BD, là, ouh, hein? Oh, the boy! Je cogite, puis j'ai absolument rien dans la tête pour le moment. Fait que là, ben dans la tête pour le défi. Moi, j'ai rien dans la tête aussi, si vous voulez. C'est sûr que rendu là, avec ma page, on va m'amuser. Rendu à ce point-là. Alors, le prochain que je vais mettre, il est un peu rouille, c'est Copper Bunga Cooper. Il ressemble à Cocobin Cooper, mais il est plus orangé. Si on le met à côté, là, il est un peu plus orangé. Fait que là, vous avez pu comprendre que ce que je veux faire, c'est à peu près tout mettre de la couleur pour cacher mon gesso qui était pas super beau. Yep! Moi, je les aime bien, ces couleurs-là, mais là, regardez, ça fait une chiure. C'est juste qu'on veut, je veux pas trop. Tu sais, c'est beau, là, parce que là, ça vient comme vieillir, puis c'est beau qu'il y ait du blanc. Les Lindy, quand ils sèchent, sont tellement écœurants, là. Écœurants dans le bon sens. Ils sont brillants. Voilà. Là, j'ai tassé ma montre tantôt. Parce que je vais checker, il était là. Ah, c'est pas si pire. Ça fait même pas une heure que je vous jase ça. Là, les filles, si vous voulez que je fasse tirer le crédit en magasin, il me reste 4 cases à 2$, donc 8$. Je vous le répète. Puis après ça, ben, tu sais, même si tu le gagnes là, puis que tu vas attendre que ça soit avec mes nouvelles affaires de Fabrica, ça me va, là. Il n'y a pas de stress. Ça ne veut pas dire que parce que tu gagnes tout de suite, il va falloir que tu l'utilises tout de suite. D'accord? C'est ça. Là, je vais utiliser, c'est la même que je reprends, là. Un petit peu de rouille. Je vais faire des gouttelettes. Puis après ça, je vais y aller avec la plus pâle, là. Fait que quand je vous parlais de texture, là, dans le fond, là, c'est vraiment trippant de s'amuser avec les tapes parce que, tu sais, ça vient faire comme un effet de papier. Ça coûte pas cher. C'est beau. Là, je reprends le Steampunk Sepia qu'on avait pris tantôt pour faire des gouttelettes. Avec les gouttelettes, je contrôle un peu plus, mais pas tant, là. Où j'ai le goût que ça revole. Puis le fait d'être juste le produit, mais en gouttelette, ça fait quand même un autre effet. Fait que, tu sais, le fond aurait pu être blanc complètement, puis tchou, on s'est amusé. Donc, je vais sécher un petit peu. Il y en a-tu qui sont allés marcher dehors aujourd'hui? Il faisait vraiment beau. Dites-moi donc ça. Comme j'ai dit, j'ai passé la journée à faire ma surveillance dehors. C'est magnifique. Et je danse en même temps. Je vais bien sécher parce que la prochaine couleur est un petit peu plus pâle. Après ça, ça va terminer ma couverture d'album. Mais je l'aime bien. Hein? Elle fit. Même si elle n'est pas pareille, elle fit.
Trouvez-vous? Ils sont vraiment en train de se battre, les deux pistes. Cassiope, elle fait tout qu'un caractère. Elle grandit, puis elle fait sa piste. Ah, 7 km, c'est bon, ça, à la marche ou à la course, Lise? Je dis ça, là, sans jugement, c'est de la marche, là. Donc, on va y aller avec cette couleur-là, qui est Golden Slibel. C'est plus or. La couleur est plus jaune, mais j'ai l'impression qu'elle va être plus or. C'est ce que je croyais. Vous voyez que le spray fonctionne pas super bien. On va y mettre un petit peu de gouttelette, laisser sécher, puis d'après moi, je vais juste avoir besoin de rajouter un peu de gesso blanc. Ça va être parfait. J'ai dit un petit peu de gouttelette, hein, je te garoche dessus. En tout cas, vous me connaissez. Sur l'heure du midi, oui, effectivement, marche. Oh, c'est bon, ça. Même si c'est pas fini. Ouais, nous autres aussi, on s'est dit qu'on irait au Chocolat Forever et bientôt notre équipe. C'est ouvert maintenant, fait que ça va nous permettre de prendre un temps. Parce que là, en plus, on a du temps avec l'équipe, mais pas trop, hein? On est loin. Je vais sécher un petit peu, puis je vais réfléchir à ce que je mets du gesso blanc en gouttelette. Je pense que oui. Je pense que... Ouais, fait que là, après ça, là, allez-vous me permettre de faire la vidéo juste demain? Ben, peut-être plus samedi dans la journée que je vais faire l'édition vidéo. Puis, sûrement pas en fin de semaine. Peut-être la semaine prochaine, je vais avoir... En fin de semaine, non. On est jeudi. Je travaille vendredi, samedi, dimanche, lundi soir. Mais la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, j'aurai de la disponibilité pour faire des lives. Fait que je vais vous faire voter. Peut-être vendredi aussi, tout dépendant si je monte à Gatineau seulement samedi matin. Là, on parle de dans une semaine. Ou peut-être que ça sera genre le dimanche soir. Mettons mardi, jeudi, dimanche soir, ça aurait de l'allure aussi. Je pense que c'est des belles journées. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, des gouttelettes blanches, ça ferait du bien du petit gesso blanc parce que ça viendrait faire un petit punch de couleur. Hein, je t'ai quasiment écouté, Émilie. C'est dur, hein, faire mon mélange. J'en veux pas trop non plus parce que je veux juste quelques gouttelettes. Ah, on aime ça. Je pense qu'il était... T'étais-tu parti avec les deux chiens? Ouais. Il est-tu fin, cet homme-là? Il était parti avec les deux chiens pour pas que l'autre jappe. Je te dis, Kung Fu... Il m'a fait à manger. Là, il s'est promené avec les chiens. Je pense que je vais être obligée de le marier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Salut, Sonia! Au moins, ils sont... Qu'est-ce qu'ils viennent en kit? Tu les as achetés à l'unité? T'as peu... Oui, blanc. Est-ce qu'ils viennent en kit ou tu les as achetés à l'unité? De quoi tu parles? Lorraine. Puis les bébés sont oui, mardi. On les vend à l'unité. Merci, Joanne. Qu'est-ce que j'ai acheté en kit?
Qu'est-ce que tu vends à l'unité? Ma fille se joint à moi et me dit, voyons maman, c'est-tu en direct? Alors dis donc, bonjour Laurence. Bonjour Laurence! Qu'elle me croit, ben oui. Salut Laurence! C'est-tu Laurence Leblanc ou Laurence? Non, ça doit pas, c'est ton nom. C'est Laurence qui? Ben oui, c'est en live. Ah, les sprays, moi je les ai à l'unité, mais ils se vendent en kit aussi, des fois en boutique. Ça dépend vraiment ce que tu veux. Je commande vendredi des sprays Lindy. Puis chez le fournisseur, si jamais vous en voulez. Il reste demain, je vais faire ça d'ennui. C'est bon ça, salut Nicole. Fait que si Lorraine s'en veut, je peux t'en trouver. Parce que me semble, Lorraine, t'as un cadeau qu'il faut que je t'envoie, toi. Ouais. Mais Isabelle, tu les as, toi, à ta boutique. Donc, c'est ça. Celles qui sont à l'Ontario, allez à la boutique d'Isabelle. Je vous rappelle hein, que moi, je fais ça par plaisir. Je fais pas ça pour devenir une boutique. Fait que stressez pas avec moi, là. Si vous achetez rien à moi, ça me va. J'ai juste du plaisir à faire du bricot avec vous. J'aurais voulu un petit brun. Ah, ça, ça va avoir de l'allure. Je vais faire des petites gouttelettes de brun. Puis après ça, hein, je vais arrêter de vous jaser ça. Quelle boutique, Isabelle? Laurence Baron, mon nom. Laurence fait dire toute gênée. C'est bon. Salut, Laurence Baron. Hey, t'es chanceux, c'est le même nom de famille que Mathieu Baron, le beau gars d'Unité 9. Bon, OK, c'est assez. Un petit peu de brun, là. Parfait. Juste un petit peu, puis je sais pas, je l'ai montré. La couleur, ça est Vicky. Scrap en masse, super. C'est où, hein, la boutique Scrap en masse? Je la connais, Isabelle. Donc, Dac, chocolat, truffle. Truffle. Super. Fait qu'en fait, hein, ça fait toute qu'une belle couverture. Je vous la montre. Ça va sécher. Je vais pouvoir prendre des photos. Mais voici le résultat final. Ah! Voilà. Fait que, dans le fond, Isabelle, elle travaille chez Scrap en masse. C'est ça que je comprends. Voilà, fait que je vous laisse pas mal à la fin, la fille, mais j'ai été occupée. Ben c'est pas grave, puis il va être disponible tantôt. Pas de stress à comment j'ai fait ma couverture, surtout que Diane t'aime les couvertures. Je vous rappelle que c'est pour aller avec ma page que j'avais faite, là. C'est mon album qui va être fait de cette façon-là. Est-ce que je fais un live mardi, jeudi, puis dimanche? As-tu de l'allure pour vous? Ou mercredi, dimanche seulement? Qu'est-ce que vous aimeriez mieux? Mais c'est super, il faut marcher. C'est écœurant ta page. Ben merci, mais c'est plus la couverture. Mais je me suis amusée, hein? Fait que ça m'a-tu coûté cher? Non, des vieilles, des tags, de la pâte à texturer, du tape, des sprays. C'est pas si pire, là. C'est pas quelque chose, un produit que j'ai besoin de 22 produits. Vous pouvez prendre n'importe quel spray, n'importe quelle pâte, n'importe quel stencil. Des tags, vous pouvez les fabriquer, vous pouvez prendre du tape n'importe où que moi je le prends pour vrai chez Dollarama, c'est parfait. Fait que voilà les trois fois en vous autres. Ouais, comment je me sens, mais ça va être juste drôle là si j'étais aussi fatiguée qu'à soir. Mais sûrement. Bon, mais Laurence Baron, elle veut que je dise trois fois salut. Non, elle veut que ça soit mardi, jeudi puis dimanche. Je vais essayer. C'est sûr que si je monte à Gatineau vendredi, puis je reviens samedi, peut-être que dimanche, je vais être comme fatiguée, mais en même temps, non. Puis je vais continuer de vous faire des surprises de même. Je vais décider ce que je fais. Peut-être que j'aimerais faire une page de mon mini pour le finir un jour, ou peut-être m'amuser dans autre chose. En tout cas, je vais voir, mais un gros merci d'avoir été là, les filles, ça m'a fait plaisir. Je vais penser à enregistrer mon vidéo ce coup-ci. Mon chum, il me regarde en arrière. C'est ça. Fait que, en tout cas, vous pouvez aussi, là, je vais essayer de trouver une façon de vous faire partager d'autres idées. Mais, dans l'ensemble, là, faut que je trouve le tape de... Oui, Vicky. Oui, t'as entendu? des frères. Salut, Anne. Fait qu'en fait...
C'est ça. Je vais essayer de trouver le tape. Il se vend où à Québec? Vous trouvez ça? Ça, c'est ma mission pour ce soir ou demain. Puis après ça, je vais vous dire les prochains lives. Là, essayer d'être d'avance. Puis là, j'arrête de parler. Salut! À la prochaine! Bye bye!